Allez, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la boîte aux lettres de janvier 2024, donc la première de l'année. La première carte que je vais vous montrer, je ne sais pas si je vous l'ai montrée, je l'ai reçue tout fin décembre, et je ne sais plus si je l'ai montrée. Donc au cas où, je la remontre, hein, de plaisir pour un. Donc c'est une carte de bonne année, de joyeux Noël de Laurence. Et avec un gingerbread, et moi j'adore les gingerbread, et franchement j'adore. Donc sa carte, et en fait vous voyez, hop, elle s'ouvre comme ceci. Donc il y a une petite guirlande de gingerbread, le 2024, le petit papier super sympa. Voilà. Et des couleurs très très jolies. J'aime vraiment beaucoup beaucoup beaucoup. Merci. Laurence. Et la deuxième carte, c'est une carte d'échange pour janvier. Donc on démarre les échanges de cartes avec les copines comme chaque année. C'est unicolore. Je viens de faire les cartes, c'est pour ça que je l'ouvre, parce qu'en fait je l'ai reçue samedi. Mais je ne l'ai pas ouverte parce que j'attendais de faire ma carte. Alors déjà, nous sommes dans les mêmes tons de ce que j'ai fait. Ça me fait déjà sourire. J'adore. Et donc, unicolore, donc un ton, une couleur, donc que du vert, que du rose, que du bleu, que du rouge, enfin voilà. Donc là, nous sommes sur du vert. Et je me demande si ce papier-là fait même pas partie de ce que moi, je sais plus. Si celui-là, si je crois. Parce que j'ai fait, non, enfin j'avais fait plusieurs tons, mais là, j'ai vert aussi. Et j'adore. Donc là, c'est une carte de bonne année 2024. De Christelle. Christelle, c'est ma sœur. Donc merci à toi pour cette carte. Je pense que cette couleur va. Bon, elle me plaît beaucoup. Mais elle va aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup plaire à Laurence qui adore aussi le vert. Et moi, je vous dis à tout de suite. Allez, on se retrouve pour la boîte aux lettres. Alors, j'ai reçu de Nat la carte de janvier. Donc, je vous rappelle, le thème, c'est unicolore, une couleur. Donc, même derrière, les petits feux d'artifice. Et en fait, c'est une carte de bonne année en blanc. J'espère que vous verrez bien l'embossage. Vous voyez là, en blanc, avec marqué bonne année. Et des feuilles blanches et une feuille un peu holographique blanche en dessous. Vous voyez? J'aime vraiment beaucoup beaucoup, ça fait super classe. Et la carte de Laurence, bleu. Donc là c'est pareil, on est sur une carte de bonne année avec un tag qui peut servir de marque-page aussi également. Merci beaucoup Laurence. J'avais parié que tu allais faire une carte en vert. J'ai perdu. Merci les filles.